le métro. Jamais. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai commandé des articles chez ASOS et chez Boohoo, je sais pas si on dit ça comme ça. Ils sont là. Mes deux bébés sont là, bien remplis et un petit sac. Donc j'ai commandé trois pantalons. J'ai pris un pantalon cargo Milter. J'ai pris en taille M. Donc on va l'essayer tout de suite. Franchement, je te conseille de le mettre avec un pull noir, un pull blanc ou un pull, je ne sais pas de quelle couleur, mais franchement ça passe avec un pull. Là nous avons 6 poches, donc 4 poches devant et 2 poches à l'arrière. Le prochain pantalon est celui-ci. Celui-ci est un pantalon cargo, mais noir. En tout cas, j'aime bien. Il y a des poches là. Là. Par contre, derrière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas derrière. Donc, pas de poche. Donc, il y a seulement 4 poches. Et je l'ai pris en taille aussi M. Avec ce pantalon cargo, tu peux te permettre de porter un pull, un t-shirt. En tout cas, moi j'aime bien les deux pantalons, ils sont très légers et agréables à porter. On va parler du troisième pantalon que j'ai commandé de chez ASOS, mais c'est la marque Boohoo. Et celui-ci. Il est très beau en tout cas, je trouve ça une belle couleur. C'est pas trop large, pas trop fin, c'est nickel. Il y a des poches derrière. Poche devant et je l'ai pris en taille 32. Franchement mon gars, les jeans fait partie des trucs basiques dans ta garde-robe. Donc, tu dois l'avoir absolument. Tu peux le porter avec n'importe quoi, un pull, un t-shirt, tout ce que tu veux. Et voilà quoi, rien à dire là-dessus. On va l'ouvrir tous ensemble. Ah, c'est par en bas en fait. Voilà, c'est parfait. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est mon col roulis. Voilà, regardez comment il est beau. D'habitude, en col roulé, je prends du S. Mais si vous voulez prendre du S qui sert juste au corps, prenez-le. Mais moi, je l'ai pris en M. Parce que je sais que ça rétrécit au lavage. En tout cas, il est très beau. J'aime beaucoup. Il est très doux, j'aime bien la matière. Bah allez, on va y aller. Franchement, au niveau des manches, ça taille tout juste. Franchement, j'aime bien, je peux le porter en soirée, je peux le porter au resto. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Si tu veux t'acheter ton premier col roulé noir, bah, je te conseille celui-ci. Tu le mets avec un perfecto, ça passe crème. Ah, ça c'est un autre col roulé noir. C'est clair et net, c'est un col roulé des champs, franchement. Par contre, celui-là, je regrette de l'avoir pris en M. Parce qu'il est un peu trop, trop large au niveau de bras. Mais je sais qu'à force de la vie, ça va rétrécir. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien le rendu. On voit à travers. J'aime bien ce confortable. On aurait dit un pyjama. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre col roulé, mais en velours. Pourquoi je l'ai pris? Parce que ça va bien avec mon Dorag. Voilà, il est en velours. Par contre, je n'aime pas trop l'odeur, mais j'espère que ça va partir au fur et à mesure. J'aime bien les confortables, les classes. En tout cas, je ne me traiterai pas avec un durag, ça c'est sûr. Parce que je ressemble à une panthère là.
Et franchement, celui-là, je regrette pas de l'avoir pris en taille M. Avec le velours, t'es obligé de te saper comme jamais. Pantalon, costume, chaussures classiques et blazer si tu veux. J'aime bien, ça ferait sortir mes pecs. Je sais pas si vous voyez. Je vais prendre au hasard. Ah ouais, encore un col roulé, mais cette fois-ci, il est gris. Moi, je vous dis, je suis fan de col roulé. Et c'est ce qui me va en plus. Je regrette pas de l'avoir pris en taille M, j'ai bien fait. Il me va à merveille. Franchement, il est bien. Je vous avoue qu'à la base, je suis pas trop fan des pulls gris. Mais franchement, celui-là, il passe crème. D'ailleurs, il matche bien avec le jean bleu. Par contre, celui-là en velours et l'autre en pull, il tient chaud. Celui-là, il tient pas chaud. Voilà. Il est léger. Ça sert à rien de porter ça en hiver, en tout cas. À mon avis, je vais tomber sur des t-shirts parce que là, je crois que j'ai fait tous les pulls. Ah ouais, un polo. J'aime beaucoup la couleur. Ça va bien avec mon teint. Franchement, le polo en taille S, c'est parfait. Next. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Et parce qu'il est pratique en fait. Niveau des manches, c'est large. En tout cas, en matière, on aurait du carton. C'est pas un truc avec lequel tu pourras dormir avec. Et par exemple, là, il y a une poche. Sur ce t-shirt, il y a un petit col roulé. Très léger. J'espère qu'avec le temps ça va se resserrer parce que là ça va pas. C'est ça que j'aime pas trop. Ça c'est quoi? Ah ouais, un t-shirt aussi. En tout cas moi j'aime beaucoup. Niveau des manches c'est large. Donc ça va, c'est assez sympa. Yo, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, franchement vous êtes la bienvenue. Le t-shirt est mixte. Donc vous pouvez l'acheter sans aucun souci. Ah ouais, c'est un short blanc. Parce que j'ai pas beaucoup de shorts blancs et en été j'aime bien porter des shorts. Là il y a un petit triangle imprimé. Avec ces shorts en été, je mettrai un t-shirt blanc, un polo blanc, enfin surtout du blanc au-dessus de ces shorts. Et sans oublier, je l'ai pris en taille M. Suivant. J'ai pris ce magnifique short en taille M et je vous le conseille vivement si vous êtes quelqu'un de frileux comme moi. Là, il y a une doublure. Niveau des manches, je trouve que c'est serré. Je l'ai pris en taille S. Avec ce genre de t-shirt, je mettrais plutôt un jeans bleu pour faire un contraste. Là, on arrive enfin à la fin. Et le dernier article, c'est ceci. Voilà un brassard pour le sport. Si vous avez des gros bras comme moi, ça sert à rien. Je suis déçu de l'avoir acheté. Allez. Merci d'avoir suivi ce haul. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre article préféré. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.